Yo les potes, à tous, c'est YouTube, c'est pas mal ici. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je sais, ça date que j'ai pas fait vidéo sur PC et mi PS4. Parce que, en fait, de base, je voulais arrêter YouTube pour des raisons des abonnés qui sont inactifs. C'était un peu énervant pour ma part. Et voilà. Et du coup, j'ai prévu de faire des vidéos sur YouTube et faire des lives sur Twitch. Alors, les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne Twitch, il sera actuellement dans votre écran en montage et tout. Je ferai des montages pour ça, pour montrer ma chaîne Twitch. Si vous voulez checker plus, bah, vous taperez ma chaîne Twitch en faisant Super MRIC, tout court, sans espace, mi point. Tu tapes Super MRIC. Et normalement, tu devrais trouver ma chaîne YouTube Twitch. Je veux dire YouTube parce que oui, je suis sur YouTube actuellement. Et voilà, et du coup actuellement on est sur Plutonium T4, alors mon cher ami, le petit serveur de... On fera un petit gameplay sur mon serveur, du coup je cache mon écran parce qu'en fait je vais faire un truc privé, parce que j'ai oublié de mettre, voilà. Et ensuite, on va faire un réseau spécialisé, un PCI. Truc, on va dire, un truc PC. En gros, en fait, on va jouer mon serveur, mais avec des serveurs, des maps personnalisées. Du coup, on va ouvrir. Et du coup, si vous voulez checker mon serveur, et si vous voulez jouer un jour sur mon serveur quand il sera pas en password, en gros, moi ça veut dire mot de passe, vous serez possible parce que là j'ai mis mot de passe actuellement. Du coup, pour l'instant, vous pourrez pas rejouer sur mon serveur. Du coup, voilà, je vais vous montrer où il est exactement. Moi, je dois faire ceci, on sait jamais. Voilà, c'est ceci. Qu'est-ce que t'as même zombie? C'est ce serveur-là. Je vais mettre un, hashtag 1 bientôt, pour préciser que ce sera le premier serveur qui sera password, en gros, en solo. Et la deuxième sera pour jouer en ligne, je pense que je vais faire un truc comme ça. Et voilà, pour tester la map, on va tester la map Mario. Et ça signifie que le mode, je vais vous montrer. Le mode qui s'appelle Super Mario 64. Alors je pense que si vous connaissez le jeu, vous devrez connaître. Et ensuite, du coup la vidéo il va sortir ce vendredi parce que moi chez moi il est lundi. Je commence très très tôt pour faire un montage. Et du coup je ferai ma vidéo à samedi, en gros ce week-end, en live, en vidéo, tu vois, en la vidéo. Et après en live, on testera Nazi Zombie. Teyang, en gros Zonda légende quoi. Si vous connaissez pas Vincent, moi aussi je connais pas trop Yana, j'ai juste fait une boîte. Je sais où il est pas capable, c'est deux trucs que je sais faire. Et ensuite voilà. Alors du coup samedi, en gros cette semaine, on testera samedi cette semaine cette map. Du coup, aujourd'hui nous on sera sur cette map, du coup on va lancer en faisant mon serveur. Voilà, du coup ça va lancer. Voilà. Du coup, il y a un avis de transciencé actuellement. Et voilà, on est sur la map. Alors, je précise qu'on est sur mon serveur. Voilà. Le jeu est en français. Par contre, en bas à gauche, en écriture et en anglais. Alors, je préviens juste que la map, j'ai déjà joué. Du coup, je connais un petit peu la map. Voilà, je connais un peu la map. Ok, il va se calmer Bowser un petit peu. Du coup voilà, je connais très peu la map. Voilà. Je trouve que les portes aussi dans cette map sont un petit peu buggées, on va dire. Voilà, il sprint déjà le Bowser, mon petit Bowser. Ok, Bowser je vais tuer en je sais pas quoi, un couteau. Du coup ce qu'on va faire actuellement, on va utiliser le MP4, LPL pardon, LPL, l'arme de BO1. Alors pour les maps en fait, pour l'instant,
Je sais que Wadatoire, on est sur Wadatoire, je vais dire, voilà, je vais préciser qu'on est bien sur à Wadatoire. De toute façon, vous avez vu qu'on était sur Wadatoire PC. Les personnes qui ne connaissent pas Plutonium, c'était un petit serveur privé qui permettra à jouer des custom map zombies avec des joueurs inconnus ou après la fermeture de serveur Wadatoire. Et du coup, ça permet de jouer à des joueurs PC et qu'ils ont pas Steam avant et qu'ils n'ont pas pu acheter d'abord le jeu avant de fermeture, parce qu'après la fermeture, en gros, tu peux plus jouer en ligne. Et en fait, avant la fermeture, tu peux jouer en ligne, en fait. Je sais, c'est un petit peu con. Mais c'est comme ça. Alors, par contre, je voudrais bien un petit bonus maintenant. Alors, je vais éviter de tuer des zombies en dehors de la carte. Parce qu'en fait, le souci, c'est que... S'il y a un bonus en dehors de la carte, bah en fait, on pourra pas prendre un bonus, en fait. Ah, un bonus. On va le prendre, on va le cuter. Et du coup, j'espère que le son il est pas trop fort pour vous. Parce que s'il est très fort pour vous, je vais baisser le son. Voilà. Parce que voilà. Parce que j'ai pas réglé, j'ai pas testé. Et j'ai joué comme ça en fait. Voilà. Et du coup, de toute façon, j'espère que le concept vous aime bien, ce concept. Parce que c'est un concept, je sais que tout le monde le font. Et du coup, voilà. Les personnes qui essayeront de rejoindre mon serveur, ils ne pourront pas parce que je vous avais déjà dit qu'il y a en mode password. Et du coup, quand j'aurai fini la map et tout, et quand j'aurai fini aussi ma vidéo, bah je remettrai à public en fait. Ok, il apporte du coup 3000. Et aussi, vous avez des musiques ici, en faisant presse F, en gros appuyer sur F, et normalement, t'as la musique de Peach, Château Peach en 1, 2, c'est. C'est plus 3, 3 c'est Live, Seed, voilà, t'as plusieurs musiques, et le 7 c'est Super Mario 8 bits, mais voilà, on va pas mettre de musique tout de suite, parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles en fait, parce que le son est très fort, je trouve. Voilà, le son est très très fort, du coup voilà, on va pas mettre en vrai dans cet épisode. Après, la prochaine fois, les gars, si vous voulez que je mette des musiques pour montrer comment ça se donne, je vous ferai dans la prochaine vidéo. Si vous voulez, les personnes, si vous voulez qu'ils retournent sur cette map, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire aussi. Et après, si vous voulez qu'on soit avec des gens inconnus, les gens qui sont sur mon serveur en tout cas, dites-moi dans le commentaire et on jouera avec d'autres personnes. En tout cas, voilà. Du coup, on va ouvrir la porte. Voilà. Et on va tuer les 3 zombies qui restent. Du coup, il y a le zombie qui est sprint parce que c'est dernier. Du coup, c'est bon. Pour l'instant, on gère. On n'a pas trop de galère parce que voilà, on est tout seul. Il n'y a pas beaucoup de zombies, on est comment 5. On n'a que 26 zombies, on va dire. Mais après, plus on monte les manches, plus Bowser sera beaucoup plus résistant en fait. Là, tu vois, par exemple, il est encore beaucoup plus résistant, mais on tue quand même facilement. Voilà, en tout cas, voilà. En fait, on dirait les zombies sont un peu genre de zombies BO1 ou BO2 en fait. Je sais pas si vous connaissez les zombies, mais en vrai, ils sont les zombies BO2 en fait. Il y a des certains en fait. Ok. En tout cas, j'espère que vous aimez le concept. Les personnes qui connaissent pas ma chaîne, n'hésitez pas à m'abonner et à liker si vous aimez mes contenus. Si vous aimez plus, bah on fera beaucoup plus souvent ce contenu. Parce que, de toute façon, moi je vais faire souvent. Parce que j'adore ce concept. Tester des maps et tout. Après, Wadatoire, on fera du BO1. S'il y a des maps zombies, bien sûr. Et si j'arrive à installer le mode. Et si j'arrive pas, on fera directement Black Ops 3. Et apparemment, il y a des custom maps zombies sur BO2 apparemment maintenant. Ok. On va acheter une munition ici. Et on va acheter NBK 5 là-bas.
Voilà. Du coup, on fera des manches en dehors de Château Peach. Ce sera mieux pour moi, pour l'instant. Parce qu'on est que manche 6 et pour l'instant on n'a pas Masto, on a que le premier atout du jeu. Du coup, ce concept, on va prendre juste une fois le atout de réanimation pour Soyo. Et quand si on jouera avec mes potes, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on jouera avec des gens. Mais. Ok, j'attends déjà un zombie derrière, du coup, j'ai pas envie de crever maintenant. Voilà, en tout cas, voilà. Ok. Ok. Du coup, on va ouvrir la porte en bas pour diriger au courant. Et après, on va montrer à Yao pour aller au... chercher Masto. Et par contre, le pack à punch, je le trouve pas. Du coup, voilà. Du coup, Yaba, je sais pas bien, il y a PHP Fupper. Je sais pas, ça sert à quoi en vrai, en général, à part les dégâts de chute. Parce qu'en fait, si tu fais un dégât de chute, bah en gros, tu peux pas courir un certain temps. Et ça gâche quand même le gameplay, quoi. Voilà. Voilà. En vrai, c'est mieux de tuer Bowser direct, comme ça, on sait jamais. Si on se fait bloquer par Bowser, bah en fait, c'est foutu en fait. Tu peux pas partir, tu n'as pas d'autre solution. Et du coup, cet atout, c'est permet d'avoir une mission infinie pendant 30 secondes. Et du coup, c'est plutôt pratique. Mais quand t'as pas de zombies, c'est pas vraiment pratique. Voilà. Du coup, on va garder ce zombie pour chercher le courant. Que je souviens plus trop. Est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche? Je crois que c'est à droite. Ouais, c'était ça. C'est à droite. Du coup, voilà, il y a une pièce étoile. Je sais pas trop ce que c'est. Du coup, on va quand même prendre. Du coup, là, c'est 5 000 pour le hit game, en gros, fin de la game. Et nous, on va pas faire tout de suite, parce que de toute façon, on peut pas, on a que 1 000. Et du coup, en fait, si tu sautes dedans, tu peux te téléporter à un endroit de la map. Mais on va pas le faire, parce que je sais même pas, il va ramener où, en fait. Parce que j'ai peur que c'est un piège où il me ramène à un endroit paumé. Du coup, fait peur, il y a lui là-bas. Alors, il y a une porte là. Là-bas, il y a un tour passe-passe. Après, il y avait double. Double. Voilà, quoi, je sais plus comment on appelle ça. Et 4 000 pour ouvrir cette porte. Pour aller vers. Voilà, on va aller directement comme ça. Ok, 5 000 ici. 500, pardon. Pas 5 000. Alors, du coup, là, je vais être 1 200. Ok. Du coup, on va acheter peut-être cette arme après. Et 2 000 ici. En vrai, je vais peut-être replacer cette arme-là. À la prochaine manche. Allez, vas-y. On est manche 8. On attend Bowser qui réapparaît. Ok, Bowser a pas paru, du coup on va aller dehors direct. Et du coup les gars, les personnes qui veulent que j'achète un micro, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'achète un nouveau micro qualité. Et votez aussi que truc que je vais vous mettre. Et dans les commentaires, vous dites oui ou non.
Si vous voulez que j'achète un micro. Parce que oui, j'ai un micro maintenant pas très bonne qualité. Ok. En plus, je mérite avoir un autre micro. Avec mon PC gamer, tout ce que j'avais. Ok, munitions max, on attend que je recharge. Ok, on n'a pas pris, mais tant pis, c'est pas grave. Comme ça, je recharge cette armure. Et je retire. Hop. Ok. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Des argent. Du coup, on va acheter la porte à 4000 et on va acheter à 1200. Comme ça, on est plutôt pas mal. Par contre, je me rappelle plus où il est l'endroit que je voulais chercher. Mais par contre, je comprends toujours pas c'est quoi le soleil. Attendez pour le editing. Ou la fin. Ah, je crois que c'est pour Pack-a-Punch, mais où faut activer, je sais pas. Du coup, je vais tuer les zombies directement, comme ça. Et depuis le début du jeu, je sais pas si vous avez remarqué, les bras, ils ont complètement changé. En fait, le bras que j'ai, c'est le bras de Mario. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même stylé, la map. Il est très bien foutu, il est très bien fait. Après, voilà quoi. C'est une map très ancienne, je trouve. Ok. Kaboom. On va faire des kills pour l'instant. On va juste casser toutes les armes. Ok. On va prendre Kaboom. On va prendre direct ça pour avoir 400 points. 800 points, je crois, c'était 800 points. Ok, on va tuer Bowser là-bas. Bah, je sais pas. Mais désolé, je suis en vidéo. Oh, chiante. Ok, pardon les gars, j'étais mal concentré. Ok. Ok, on va descendre en bas. Oh. J'aurais tellement prendre ça. Je pense pas que ce sera possible. Ok. On va visiter en haut du coup. On va acheter une autre arme en haut. Parce que je sais qu'il y a une arme. Par contre, merci. Il y a des bugs sans droit ici par contre. C'est un peu mal codé. Après. Ouais, masse-toi ici. Je l'ai trouvé. Parce que oui, cet endroit est un peu. Voilà. Du coup, en haut, il y avait Marathon. Qui coûte 2000 ici. Et du coup, on va pas ouvrir tout de suite, je pense. Alors, soit j'ai trouvé la boîte, ou soit on rentre tout de suite pour avoir une grande salle. Mais en vrai, ouais, je vais ouvrir en haut pour avoir une grande salle.
Comme ça, on sera plutôt tranquille. Voilà, on a une grande salle. Et du coup, ça coûte 2000 ici. C'est déjà pas mal. Voilà. En tout cas. En tout cas, ça va, c'est plutôt très bonne map. Si vous savez bien jouer zombie, en vrai, ce sera un très bon map, cette map. En vrai, c'est un très bon map à jouer. Si vous vous conseillez pas, mais après, c'est que vous voyez. Alors, voilà. Voilà. J'ai vu zombie. Du coup, on va prendre le marathon là, actuellement. Voilà. En vrai, ce marathon, je trouve, il est un peu spécial dans ce jeu. Parce que de base, dans ce jeu, il n'y a pas marathon. Et du coup, c'est très bien. Ok. Du coup, voilà, on va pas acheter une mission, on va essayer de trouver la boîte. Du coup, on va descendre. Parce que je sais qu'il y a un emplacement de boîte ici. Là ouais. Est-ce que c'est ici? Non, il n'y a pas ici. Mais par contre, il y a une table de craft ici. Ok, il manque des pièces. Ok. Ok. Du coup, on va aller ici parce qu'il y a d'autres emplacements de boîte. Il n'y a pas là. Du coup, on va aller là-bas. Alors, qui a pas d'emplacement de boîte? Mais il n'y a pas de surprise. Et du coup, ça, j'ai pris le truc pour se téléporter. En vrai, voilà. On va visiter un petit peu la map. Et ensuite, on va essayer d'avoir une pack à push. On va essayer de pack à push une arme. Et voilà quoi. Du coup, on va essayer ici. Ok, il y a une pièce ici. Et du coup, la porte, il coûte 2000, je crois, là-bas. Parce que s'il coûte 2000, je vais pas ouvrir. Oui, 2000. Bah, du coup, je vais pas ouvrir. On va juste acheter une mission ici. Et on va descendre en bas. Chercher des pièces. Alors, je sais pas si on peut aller là. Non. Juste voir pH fait peur, il coûte combien, mais je vais pas l'acheter tout de suite, mais voilà, écoute de lui aussi. Ok, en tout cas, on est plutôt bon pour les atouts. Il manque juste ton passe-passe et on est bien, quoi. Du coup, on va ouvrir là, ce sera plus simple. Ok. Je crois que j'ai ouvert ici pour rien. Ça te sert aussi pour tourner, c'est bien ici. Je vais pas tourner comme ça. Je vais attendre le poseur qui arrive. Bon, ok, il y a un poseur. Il y a petit x2 qui va me régaler.
On va utiliser N16. Ok, j'étais bloqué, je sais pas pourquoi. Ok. Oh! J'aime pas quand ça se passe comme ça. Ok. On va ouvrir cette porte. Et du coup, la boîte, elle peut être ici. Ouais, les gars. Va acheter Yatou 3 armes. Et après, on achètera Yatou. Alors, je connais pas cette arme. Ah oui, si, c'est une arme BO2, celui-là. Et j'ai l'impression qu'il y a 3 armes, il fonctionne pas. Ok. J'ai l'impression qu'il y a 3 armes, il ne fonctionne pas et je suis fait arnaquer. J'ai jamais utilisé 3 armes, c'est pour ça aussi. Et du coup, 16-11, par contre, j'aime bien. G11, pardon, j'aime très bien. En vrai, je crois il faudrait qu'on ait pistolet laser et canon laser et je suis bien équipé. Et du coup voilà, j'aime bien cette map perso. Je trouve que cette CAF est si fou. Du coup on va essayer de faire des boîtes encore. Ok. On va faire des boîtes. Oui. De quoi? Ok. Du coup, c'est parti, on fait des boîtes. J'espère que j'ai la chance. Ok, bah déjà, une singe, ça peut être utile. Par contre, je sais pas si je peux mettre pause, non. Alors, je suis pas un joueur sniper, du coup, je vais changer. Et pourquoi il me redonne un os de sniper de B1? J'ai l'impression qu'il m'aime bien les PSG. Désolé, je vais juste avoir des bonnes armes. Ouf. Allez, peut-être un petit dernier pour avoir une bonne arme. Bon, vas-y, on va tuer. On va garder l'argent. Ok, du coup la boîte il change d'endroit. Maintenant on a ouvert quasi tous les endroits pour la boîte. Du coup on se fait pas chier. Alors pour cette base, je retiens que on sait jamais. Toutes les maps c'est pareil. On retient que cette map qu'on a testée, il y a tout 3 armes. Il y a tout 3 armes à fait chier. Parce que je me suis fait arnaquer pour 4000 balles. Et du coup je me suis fait quand même arnaquer quand même. Pour une très bonne atout. Pas très bon atout, mais un très bon truc, quoi, pour ma part.
Ok. Alors, Bowser, ça one-shot pas par contre. Ok. Alors, la porte en haut, il coûte combien? 4000? Ouais, vas-y. On va visiter en haut, et ensuite. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est ça? Colette à l'est, parfaite use téléported. Ok. Alors, pourquoi ça me TP là, en fait? Du coup voilà, on a les trois pièces star qu'on faudra mettre ici, en général. Voilà. Et en fait, après, qu'est-ce que ça sert après? C'est ça que je pose la question. Alors. Du coup, la boîte n'est pas là. La boîte non plus est pas là, j'avais déjà vu. Pour l'instant ça va, on est tranquille parce qu'on a ouvert toutes les portes. Du coup ça va, on est plutôt tranquille. Du coup en fait je me demande où ça me TP. Ah ok, c'est la merde. Ça me TP les pires endroits, c'était génial. Du coup, ici il n'y a pas de. Il y a juste un atout. Ok. Du coup, on a visité ici. Du coup, on n'a pas vu en bas pour l'instant. Juste un atout ici. Est-ce qu'il y a une boîte? Non, il n'y en a pas une boîte. En fait, je pose cette question, cette map, parce qu'en fait, la question est un map. Il est quand même dur pour les autres joueurs. Et pour moi, il est facile. C'est la map la plus facile du jeu pour moi, en vrai. Il faut juste que ça entraîne, c'est tout. C'est pas si compliqué que ça. Faut juste s'entraîner et... Voilà. Par contre, je crois que je vais acheter l'arme qui est en mur. Si je trouve pas la boîte. On va se dire, on va acheter l'arme dans le mur. Pas sûr parce que j'ai déjà testé hier. Il était peut-être pas si stable. Du coup, voilà. On va acheter celui-là. Et on va acheter ça. Qui permettra avoir Yazer, que je trouve. Ah bah. Oh les gars, ça sera mon best-of. Comment chercher une boîte qui était juste à côté des armes? En tout cas, voilà. Ok. Je vais atterrir à te courir. Alors je vais garder les touches de combat. Changer d'arme. Ok, c'est 4. Ah putain, il y a des barrières invisibles, ça c'est chiant. Ok. On va lancer une singe, on sait jamais. Et on va vite monter en haut. Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi il appelle la macaque, mais en fait pour moi j'appelle un singe. Moi j'appelle un singe, mais en vrai je trouve que je lui appelle macaque, mais en vrai plus simple c'est singe, faut dire singe. Et du coup oui, après on va acheter ton passe-passe, le plus atout le plus important. Et après la deuxième dernière atout, moi le plus important c'est plafé, flopper, pour sauter et tout. Et du coup après on va essayer des bonnes armes et on va essayer d'avoir le pack à punch et on va essayer de faire le heal game avant manger avant je dois manger. Parce que ah oui parce qu'après j'y suis venu à 17h30 pour faire ma vidéo à 18h et c'est quand même un peu très tard pour ma part.
Et du coup voilà, si mon père arrive à avoir les maps custom map mais sans bug, parce que lui il y a des bugs, on fera beaucoup de custom map ensemble et voilà. Et du coup c'est parti, nous on va descendre et on va acheter la tout tour passe-passe et Pépé Flopper. Ah, il y a une rampant. Je croyais que c'était pas possible en rampant de Bowser, mais si c'était possible. Ok. Au moins il m'a appris, il m'a trouvé un truc plutôt sympathique. Ok. Alors, il était derrière là. Je sais faire avant parce qu'une fois je lui ai cherché partout le. Et Flapper Flopper, on va acheter après. Parce que on voit qu'on a demi et il coûte 2600. Et moi je vais faire deux boîtes, ça en vrai sera. Ok. Les zombies, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait la merde. J'ai l'impression qu'il m'a ignoré un moment et après il m'a re-suivi. C'était un peu bizarre. Et en tout cas, voilà. J'espère que après j'aurai des moteurs aussi qui feraient des vidéos. Alors je sais plus si c'était ici ou c'était autre, ouais, c'était autre. Juste à droite. Ok, on va prendre cette arme. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une mitrailleuse. Mitrailleuse. Ok, on va prendre cette arme là aussi. J'ai découvert les armes dans ce mode zombie, ce custom map. En moi, le but c'est de découvrir la map et découvrir tout ce qu'il faut faire. Alors, par contre, je vais aller tout en haut, dans l'escalier infini, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de débloquer le téléporteur, pour essayer de débloquer le Depakapunch, le K-Punch. Mais je crois soit. Soit il faut aller sur un tile, faut tous se marcher dessus, ou soit il faut qu'un joueur doive marcher chaque tile que tu trouves, ou soit tu dois chercher genre ceci, toutes les maps, partout. Ah! Déjà je peux. Presse. Après c'est de collecter toutes tes pièces et d'appuyer ici pour le téléporteur que ce soit activé. Normalement il sera déconnecté mec, voilà. Parce que oui je lui ai mis mot de passe, du coup c'est normal si vous voyez il se fasse déconnecter. Parce qu'en fait mon serveur est en mode password et du coup ils peuvent pas rejoindre s'ils ont pas le mot de passe en fait. Et en tout cas voilà. Du coup voilà, en fait on descend en bas. On descend en bas. Et dès que j'appuie ici, ça crée un pad. Et le dernier je pense. C'est ici. Je pense ou c'est juste que ça va créer un portail quelque part, mais je sais pas où. Voilà, en tout cas, voilà. Ok. Ça me. Soit je dois t'activer en haut, en bas, et après tu dois remonter en haut, je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ou soit faut aller dans le panneau pour se téléporter à un endroit pas été prévu. Alors j'ai peur si on tombe ici, on meurt instantanément. C'est pour ça que j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de mourir parce qu'en plus on est bien équipé, on est bien. On a 6 atouts. Là c'est pareil, j'ai pas envie que c'est cédé. Mais par contre ici ça me ramène où j'ai jamais été. Et du coup voilà. Pour l'instant en vrai on est plutôt pas mal. On va rester manche 25 en gros, la moitié de cette manche, ou manche 30 carrément si vous voulez. Et si vraiment c'est trop long pour vous, on fera des motages et tout. En fait, cette vidéo il n'y aura pas le motage. Tu vois, ce sera une vidéo sans motage. Et si vous voyez que la vidéo est trop longue, on fera un démotage. Ça vous va? Et peut-être ce week-end, je jouerai avec mon ami. Alors par contre, cette arme, j'ai l'impression, il est. Ouais. Il est pas terrible.
Il est vraiment pas téléstable. Alors quand je sors sur la tête, je suis cru sur la PS Legend, les gars. Si vous voyez faire ça, je suis cru sur la PS Legend. Ou peut-être vous retournez sur la pièce pour récupérer les pièces et de poser les pièces sur les certains packs à punch. Genre les certains téléportails. Ou peut-être c'est ça, mais après, ça se trouve, c'est pas ça. Je connais pas la map, quoi. Et les personnes, par contre, qui veulent me spoiler, s'il vous plaît, me spoilez pas. Parce qu'on est là pour découvrir la map. Et voilà, on est là pour découvrir la map. Il y a des gens qui essaient de rejoindre la map, vu ce que je vois. Ils pourront pas. Il y a quand même réussi à rejoindre. Bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas comment il a fait pour me rejoindre, mais... Mais il doit se barrer. Ok. Kick. Alors, please, kid. Bah, c'est pas grave. S'il quitte pas, c'est pas grave. Voilà. Ça devrait le bloquer pourtant, mais ça l'a pas fait. C'est bizarre. Alors, du coup, ouais, je vais changer les deux armes parce qu'elles sont HS. Et j'ai quand même 12 000. Du coup, on a quand même géré. On va acheter un atout aussi qui coûte à 6 000 au spawn. Attends, c'est quoi ça? J'ai une arme. Ah, c'est une arme. On va changer ça. Ah, celle-là est pas mal, j'aime bien. Ah, c'est l'arme de BO2. J'adore cette arme en plus. Alors, lui, c'est quoi? Scorpion, j'aime pas. Désolé, mais je vais vire. C'est un traite. NK, c'est pareil, j'aime pas. Vu que t'as 10 balles en plus, c'est dégueu pour moi. Allez, un petit dernier. Je le connais pas, du coup je l'apprends pas. Et là du coup on va aller chercher l'atout qui coûte à 6 000. Et en vrai je pense que après on va essayer de trouver un moyen pack-a-punch. Ça vous va?
Parce que je crois qu'il n'y avait pas qu'un peu sur cette map, mais je sais pas où il est, mais je crois qu'il y en a. C'est obligé parce que si t'as pas Pack-a-Punch, bah t'es un peu dans la merde quoi. T'es obligé de faire des boîtes pour avoir des nouvelles armes. Et en plus, à partir de moins 15, moins 20, 25, c'est pas si fou quoi. En vrai, pour une map assez gaillarde déjà, cette map c'est un peu gaillard. Du coup, c'est quoi cet atout? Ah, nice, apparemment c'est pour gagner. Quand tu fais des kills, apparemment ça fait gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. Bah oui, regarde. Ça veut dire qu'en gros, à chaque fois quand tu tues des zombies, bah tu gagnes beaucoup plus. Beaucoup fois deux. En fait, c'est comme x2 en fait le truc. Et si t'as une x2, en fait, ça fait comme si t'avais x4. Et en vrai, je trouve c'est vraiment un bon atout. 6 000. Ils ont bien fait un bon prix, 6 000, c'est déjà un bon prix déjà. Et en vrai, ouais, c'est déjà pas mal. Alors, je vais pas faire un retour, du coup, je vais aller juste voir ici. Ok, ça fait rien. Je vais juste voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Si ça se passe quelque chose? Ça se passe rien. Ici, je vais Yahoo. Pour voir si ça a ouvert un truc ou ça fait un pack-a-punch. Où ça se trouve, c'est dans la porte vers de gauche que ça arrive à pack-a-punch. Ou de droite, je sais pas. Ou c'était endroit en bas que j'ai pas ouvert à 1500. Enfin, ça, la prochaine fois, les gars, si vraiment ils me disent à table, j'aurai la prochaine fois. Ah, please, téléporteur. Je vais faire juste pour voir. Et voilà, c'est pas qu'un punch. Ok. Par contre, c'est un bon ça. Et par contre, par qu'un punch, en mode design, il est très très beau. Vous trouvez. J'espère que vous trouvez ça beau. Au pire, les gars, cette vidéo, je vais publier à minuit. Et comme ça, les personnes qui connaissent ne pourront pas le voir aujourd'hui. Au pire, non. Je vais poster demain, mardi. Mardi à 18h. Enfin, voilà, vous sera déjà posté l'heure 20 parce que. Parce que voilà. Et du coup, voilà, je crois qu'il faut la charger en haut. Genre, faut remonter en haut pour faire les leaks. Genre, les. En vrai, ouais. Il y a un map qui est plutôt de bon design. Après, il y a des bugs à corriger. Corriger, genre, les atteintes d'escalier. Que j'ai. Je perds des FPS. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et du coup, dès que je fais ça, je peux téléporter à chaque fois. Ok. C'est génial. Ah mais y'a un paf puissant. Il est dégueulasse. Comme moi j'ai PHP Fopper, du coup voilà, je peux faire ça sans problème. Oh. Parce qu'en fait, vous me faites faux peur, ça permet d'enlever les dégâts de chute. Du coup, oui, on va tourner tranquillou. Et s'il y a trop de zombies, si vraiment je suis au PS, on va utiliser le singe. Voilà. Mais plusieurs raisons, on va dire. Et du coup, voilà. Il y a le power. La petite Bowser. Ah putain, mais c'est un chat à rejoindre. Ah merci. Cette fois ça m'a fait quitter aussi. Après si vous voulez qu'on fasse du BO2 mais sans custom map, eh ben vous pourrez me dire dans les commentaires, on le fera. Voilà. Vous pourrez me dire dans les commentaires, on prend en live, en vidéo aussi. Et voilà, ce sera genre un petit best-of si vous voulez. Et on fera même aussi le secret si vous souhaitez. Allez, un petit dernier coup. Voilà. Masse point.
Ok. On va améliorer les deux armes. D'abord, je vais améliorer l'arme qui a plus de munitions. Est-ce qu'il a mérité un peu? Découvrir les designs. Alors, par contre, il faut qu'ils arrêtent à rejoindre. Et voilà. Alors, du coup. En vrai, on va pas améliorer tout de suite, on va juste essayer d'avoir des bonnes armes. Ce sera mieux. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, il y a boîte. Je sais plus s'il était en bas ou il a changé de placement. Je sais plus du tout. On va checker. Ah, déjà qu'on a marathon, on court vite et en vrai, je crois que le plus important, moi, c'est marathon. Dans cette map, c'est la base. Ok, le pire, c'est ça. Stoner en 63, en vrai, j'aime bien. Stoner 63, il est assez puissant. Et en tout cas, ouais, il est assez puissant. Ok. On va voir ton passe-passe. Alors, j'ai entendu vers la gauche, mais je crois soit il est en passe-passe. Mais bon, ça, on va le cycler, t'inquiète pas. Alors, il était où, l'emplacement? Ouais, il était pas là. Ok, bah je crois il est vers vers au côté de. Ok, hein. Du coup il est vers par là. Oui, je sais plus, il était vers où. On va acheter ça. Je me rappelle qu'il y avait un emplacement de boîte ici, mais apparemment non. Je sais pas s'il y a un placement de boîte ici. Ah bah si. Ok. Ok. Après cet armée est bien. Mais il est pas la meilleure. Ok. On va garder celui-là et on va améliorer le stoner. Comme ça, on va checker comment ça se passe cette armée-là. Et on a 9 atouts. Dans cette map, c'est déjà pas mal. 9 atouts, c'est. C'est vraiment, vraiment pas mal. Pour voilà, cette map, c'est vraiment plutôt bon design. En vrai, j'ai acquis cette map. En vrai, je crois que ce sera la map que je ferai beaucoup plus souvent. Mais après, il y a beaucoup de mais il y a beaucoup de maps qu'on pourra tester. Genre Dead Legend, en gros Senda, c'était la map. Alors par contre, pourquoi un coup je peux TP, un coup je peux pas? Alors attends, on va se TP, ça sera plus vite. Ok. En fait, l'escalier, un coup il me bloque en fait. Ça dérange un peu trop. Et ce serveur-là sera pour l'instant un serveur privé. Mais en vrai, je ferai un serveur par serveur. En vrai, je laisserai un serveur celui-là. Et voilà. Du coup, c'est parti. On va améliorer Stoner 63. On va checker comment ça se passe. Alors, du coup, il veut pas qu'un punch. Il est là. Et du coup, ça donne ça, le design, en regardant. Et si on prend, il s'appelle BWC 669 000. Non. 66 930. Avec déjà un nom bizarre. Et il y a un couleur déjà assez étrange, on va dire. Et du coup, on va utiliser Uzi pour l'instant. Comme déjà mon arme est améliorée, le Stoner 63. Et du coup, on va monter en haut et on va tuer les zombies. Tranquille.
Voilà. Pour l'instant, on est manche 18, on est plutôt pas mal cette map. Et du coup, on a 700 balles. Et par contre, une dizaine en amélioration est vraiment géniale. Je la kiffe tellement. Et je crois qu'on a tous les atouts du jeu maintenant. Tous les atouts de cette map, on va dire. Parce que de base, il y a des certains atouts qui sont pas, comme Flappy Flopper, Marathon. Et double. Voilà, plusieurs atouts qui n'y avait pas de base. Je sais même pas qui avait quoi atout qui était pas. Et par contre, j'ai des bugs FPS. Je sais pas pourquoi. Il est pas ouf sans améliorer cette arme-là. Et maintenant qu'on avait atout pour avoir plus de points. Et en vrai c'est l'atout le plus important pour ma part. Ok, la mission. Je suis au PS. Ah oui, mais j'ai fait appeler Fopper, je suis con. Ok. Je préfère Safeway. Ok. Alors. Du coup, la boîte, il était en haut. En vrai, on va rechanger cette arme-là. Parce que oui, je vais juste essayer d'avoir le pistolet laser ou le pistolet éclair. Je sais même pas s'il y était cette arme-là. Mais je crois qu'il y était. Je l'avais vu dans la boîte en plus. Du coup, donne-moi la chance, s'il te plaît. Ah, déjà j'aime bien cette arme là. Je vais pas tirer. Ah si, je vais tirer parce que celui-là je vais tirer un mur instantanément. En vrai, je vais garder. Il y a 12 bis à 100 pour attendre. Ah, je crois qu'il faut monter en haut et réactiver. Ensuite, redescendre en bas pour réactiver ça et pour remonter en haut pour réactiver le PAKA. Y a l'escalier qui me bloque, ça me casse les couilles. Il y avait pas l'atout sur cette map qui permet aussi, je sais pas s'il y avait cet atout qui permet d'avoir plus de bonus. Alors attends. J'ai des petits bugs d'FPS. Bon, l'escalier c'est normal parce que l'escalier me fait bugger. Oui, c'est ça. Il faut activer ici, ensuite il faut descendre en bas pour activer ceci. Voilà, pour remonter en haut et pour activer le portail pour aller au pack à punch directement. En vrai, j'adore ce jeu, il est vraiment génial pour les custom maps. Et du coup, les personnes qui ne seront pas au courant, il y aura un ami, bientôt il y aura un PC gamer. J'essaierai d'inviter un ami sur Discord et ce jeu-là pour qu'ils en jouent tous ensemble. Et comme ça, peut-être on sera trois à jouer si mon pote déjà arrive à avoir réglé ce problème. Et si mon pote, bien sûr, il n'y a pas de problème de custom map. Et comme ça, voilà, on pourra jouer tous ensemble et ce sera plutôt pas mal. Alors, du coup, on se TP en pack à punch, on fait face demi-tour parce que juste qu'il est là. Et du coup, hier, on va faire des manches. LK57 en. Ouais. Et du coup, voilà, on peut améliorer qu'une fois. Et du coup, LK57 en rouge, ça signifie, je sais pas, ça veut dire quoi, mais je sens qu'il va être quand même pas mal. Parce que je sais que Starmer est vraiment bien. Et ouais. Tu peux rien dire pour ça. Ah putain, il m'a tapé en bas en plus ce con. Ok. Oh! Qu'est-ce qu'il fait zombie? Bah vas-y, on va tuer. Oh, le bruit déjà, j'adore le bruit de amération. Après voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur YouTube. Et du coup, la prochaine custom map, je serai en live. Et du coup, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch. Qui ne connaissent pas ma chaîne Twitch, je mettrai dans le commentaire ou lien de description si vous voulez, le lien directement.
cliquera sur mon lien, vous serez directement sur Twitch. Et vous cliquez, il y a au cœur, ça signifie suivre ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, pardon. Et ça signifiera follow. Voilà, en tout cas, voilà, ça fera m'aider et je ferai que des apps dessus. Il n'y aura pas d'autres plateformes maintenant. Pour l'instant, voilà. En vrai, en amélioration, ils sont beaucoup plus puissants que sans améliorer. Là, j'adore pour l'instant. Parce qu'à partir de manche 18 et manche 17, c'est vraiment l'enfer pour tuer des zombies. Et vraiment, c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Ok. Du coup voilà, on va passer des manches maintenant. Et on va essayer d'avoir 5 billes. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire. Et on fera in-game. Voilà, on fera in-game aussi. Et du coup, si vous voulez rejoindre mon serveur, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des commentaires si vous voulez jouer uniquement avec moi. Et ça pourra me faire un petit gameplay ensemble. En privé. Et on fera des privés, on pourra faire des vidéos, un live aussi si vous le souhaitez. Et des vidéos quand vous aurez envie, avec des gens. Si vous voyez qu'on joue en public dans cette map, ou vous voyez qu'on joue pas en public, genre je joue entre amis. N'hésitez pas à vous dire, c'est mon concept, mais après vous pouvez choisir vous-même le concept que je voulais que je fasse. Ok. Voilà, faites ce que vous voulez. Après, je réfléchirai si c'est pas trop, trop chiant. Et après, si c'est vraiment pas chiant, et je le ferai. Et après, voilà, de base, c'est mon concept. C'est moi, je devrais vous dire c'est quoi le but du concept. Et en tout cas, voilà. On a déjà 30 000 et on est manche 21. On n'a pas fait de boîte et... En vrai, cette masse est la meilleure pour moi, pour jouer. On a déjà 30 000 grâce à tout x2. Vraiment, il m'aide beaucoup, c'est à tout. Je pensais pas qu'il va m'aider à ce point. Et je crois que c'est à m'améliorer, surtout qu'il fait beaucoup de dégâts et double. Voilà. Et si vous voulez, les gars, dans cette map, on fera le record de manche un jour en live. Et ça sera plutôt sympa, toi, en vrai. Ok. Pour l'instant, voilà, on a fait quand même mal d'argent. Et marathon, ils mettent beaucoup quand même. Pour les zombies qui courent. En vrai, je sais pas comment ils font les gens à jouer Nage d'Art Totem parce qu'il y a zéro d'atout. Je sais pas comment ils font pour ne pas jouer sur cette carte. Et on va finir la manche tranquillou. Voilà, on recherche tranquillou. Hop, je recherche Stormia. Et en vrai, on est plutôt pas mal. Une game parfaite. Et vraiment, je lui kiffe cette map. Et du coup, demain, je posterai la vidéo. Et je mettrai en première, comme ça, les personnes qui vont suivre en live, je le suivrai. Et j'annoncerai une story en disant que je sortirai une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés, en vrai. 1500 abonnés, on va dire. Parce que je méritais un peu quand même à faire une vidéo comme ça. Et du coup les gars, je jouerai que des jeux PC maintenant, en vidéo sur YouTube. Parce que voilà, ça fait depuis longtemps que je voulais faire ça en plus. Ah, il y a ça, c'est plus mieux.
Ok. Ok. On va attendre un peu. Ouais. On a 16 zombies, du coup on va attendre un petit peu. Et on va tous tuer, gros, ça. On va passer Yamanche. Voilà. En vrai, je pense fortement on va arrêter manche 30 parce que après, sinon c'est trop long. Parce que d'ailleurs, on a fait une heure de vidéo. Et du coup, les personnes qui demandent pourquoi la vidéo dure aussi longtemps, parce qu'en fait, c'est un série de base. Et après, les personnes qui veulent que je fasse des coupures quand même, des certains moments. Mais après, moi, je trouve que c'est pas vraiment intéressant de faire des coupures en plein zombie. Et quand tu veux faire des manches et découvrir la map. Parce que moi, je suis pas une personne qui veut faire des coupures. Moi, c'est découvrir la map, c'est de. En général, c'est de montrer un peu tout. Soit sur la map et tout. En gros, c'est comme un interview en fait que je vous propose, mais un peu pas vraiment un interview en fait que je vous propose. Mais voilà, en gros, c'est comme si c'était un live en fait que je vous propose. Et plutôt, c'est vraiment pas mal concept pour ma part. Après, si vous voulez que je fasse d'autres, et si vous voulez que j'améliore quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Et après. Et bientôt je ferai aussi un nouveau à propos. Et dans à propos, j'essaierai de faire plus de détails et tout. Que j'aime bien le faire, que j'aime bien et tout. Et voilà. Et je mettrai aussi dans la description maintenant. Il y a configuration PC. Pour dire quoi ce que j'ai. Ça pourrait être intéressant pour vous qui connaissent pas encore le PC. Et en tout cas, voilà, ça pourrait vous intéresser. Et du coup, si vous voulez mettre, je mettrai mes configurations PC dans les commentaires, dans la description. Et les commentaires, ça sert à rien parce que ça gâchera un peu. Et du coup, voilà, ça sera pas assez fou. Ok. En tout cas, voilà. On a 73 000. Et en vrai, on va rapprocher facilement. Il y a 30 manches, et il y a 30 manches, je répète, on va faire des in-game. Et du coup, voilà. Et en tout cas, voilà. En gros, la fin de la partie. Si vous voulez préciser, à la fin. En français, voilà. En tout cas, voilà. Ok, en tout cas, en vrai cette map je la kiffe, mais comme je vous avais dit, on fera plusieurs maps zombies, on fera plusieurs maps, il y aura plein d'autres en fait, et je ferai en live, pas tous les jours maintenant, et en fait dès que je serai plus en cours, j'essaierai de faire des lives, mais beaucoup plus souvent, et dès que j'aurai plus kiné aussi, parce que oui j'ai kiné, et dès que j'aurai plus kiné, je ferai beaucoup plus de lives, parce que c'est ça qui me gâche aussi mes vidéos, et... de d'ambiance. Ok, on va prendre tout de suite parce que j'ai pas vu casse-pied. Voilà, on reste que 4 manches, 6 manches à faire quand même. On va au moins, je pense qu'on aura moins 100 zombies à manche 30 ou 31, ouais je sais pas quand, mais ok. En tout cas, voilà. On est manche 25.
Il reste que 5 manches à faire. C'est vraiment pas mal. On s'amuse très très bien. Et du coup, voilà. Du coup, on va s'arrêter à manche 30. C'est pas le record qu'ils ont en fait. Et j'essaierai de regarder sur YouTube les records et tout. Ou voilà, les records demain sur la speedrun ou je sais pas où. Je peux trouver ça, je sais pas où. Et j'essaierai faire ça, bien sûr, sans speedrun. Déjà battre le record du mec. En A4 ou A2 joueurs, un peu n'importe où en fait. Voilà. Par exemple, s'il y a un solo, on fait en solo. S'il y a un duo, on fera en duo. S'il y a un trip, voisin, je ferai en duo, moi, je pense. Fortement. Et j'inviterai mon pote qui est en duo, qu'on sera fortement en duo. Voilà. Du coup, on a 100 000 bientôt. Pour l'instant, je vais dire on a 100 000 parce que, en vrai. Les points, ça va tellement vite, rassurera bientôt. En fait, je sais pas si Yatou il marche ou c'est juste que j'ai l'impression qu'il marche. Mais après, je pense que, en vrai, pour ma part, il marche. Et en tout cas, ça fait bien plaisir qu'on a les points vraiment facilement déjà. Et je pense qu'on doit manger parce que j'attends mon chien en train de crier. Ouf. Déjà, je suis bien content de tester cette map avec les améliorations, etc. et tout. C'est plutôt vraiment sympa à checker cette map. Et du coup, les personnes qui vous êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à m'abonner et liker. Et partagez à vos amis aussi, si ça vous intéresse. Et vos amis aussi. Et que moi, je vais partager à un ami qu'il aime bien les custom maps. Et après, je sais pas si uniquement youtubeur ou uniquement. En tout cas, voilà. Ouais. En tout cas, voilà. Je vais faire exprès de faire ça parce que de toute façon, j'avais plus de munitions. On va utiliser cette arme qui a 700 balles. Du coup, voilà. On va tourner comme d'habitude. On les mange 26. Et après, je pense que ce manche-là, on va s'arrêter très bien. En tout cas, je crois qu'on va s'arrêter là. Et en tout cas, voilà. Allez, vas-y, on va tuer les zombies. On va attendre un petit peu et après on va prendre la bombe. Ouais, je pense qu'il y a assez de zombies. Ah oui, c'est vrai, dans World of Warcraft ils peuvent taper. Ok. Bah, en vrai, en tout cas, ouais, on s'amuse très très bien et. Et voilà, on va garder dans les zombies et ensuite on va aller dans la porte et on va aller faire fin de game. Et on va juste en refaire de la boîte pour checker les armes un petit peu. Que j'ai pas encore vu en tout cas. En tout cas voilà. On a fait déjà toutes les quilles, du coup on va aller en bas. On a fait 1000 ou 23 keys, quand même c'est plutôt sympatoche cette map. Et en tout cas voilà, on a fini déjà la partie de la map. Et du coup voilà, on va ouvrir un peu partout, checker un petit peu partout. Oui, je te confirme, nul à chier. Alors, désolé. Du coup, voilà, on va visiter un peu. Dès que j'ai un nounours, on se barre, ok? On va aller faire in-game ou quoi.
Voilà, en tout cas, voilà. Ok, on a nos ours. On va juste améliorer mon arme. Ok, il faut aller en haut du coup. On va juste améliorer le python. Pour checker comment les designs sont comment faits. Ok. Ah, en plus, apparemment, il est proche de moi. Il va y avoir soit Masto, soit il va y avoir hein, à côté ma, le 3 armes. Du coup, voilà, on va aller en haut. Voilà, en fait, cette technique, c'est pour aller plus vite. Et en tout cas, voilà, ça fait plaisir de vous voir à nouveau sur mon live, sur mon vidéo. Du coup, je ferai aussi de temps, comment je ferai un vidéo long pour les custom maps. Du coup, ce sera fortement en première pour faire comme si c'était un live. Et du coup, voilà, je ferai un ping en disant que ça sera comme si c'est un live, mais c'est pas un live en fait. En tout cas, voilà. Hier, on va améliorer mon Python. Que je suis quand même content de voir comment il sera Python. Ok. En tout cas, voilà. Alors, il sera comment? Du coup, on va juste regarder comme ça. Du coup, ce sera la même chose. Et comme il est plutôt stylé. Et par contre, il y a un petit problème de texture. Vous voyez bien, il y a genre, il y a le camou, il bouge. Et dans Python, par contre, il ne bouge pas. Et le bruit, par contre, je vais écouter ça. Par contre, le bruit est toujours le même. Il est vraiment stylé. Et du coup, tu charges deux par bail. Et c'est vraiment plutôt insane. Bon, du coup, c'est pas grave, les gars. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, on va aller en bas pour faire in-game. Alors, in-game, voilà. Du coup, je vais juste ouvrir quelques portes qu'on n'a pas encore ouvert. Du coup, ici, j'avais déjà visité. Par contre, est-ce que il y a un petit passage secret à l'endroit? Alors, non, ici, ça me TP. Ici, d'accord. Ici, je vais là. Ça se passe rien. Ok. En tout cas, voilà. Du coup, je vais ouvrir quelques portes qu'on n'a pas ouvert. Pense. Alors lui je crois on peut pas ouvrir. Du coup on va vite découvrir quelques trucs qu'on n'a pas encore vu. Voilà, ici il y avait une porte. Ah non, c'était une autre porte. Alors du coup cette porte en métal c'est une porte voilà. Et du coup ici c'est un chemin. Ah je retourne. Ah, bon, ok, voilà, on a fait le tour de la map, je pense. Du coup, je pense qu'on peut faire hit game. On va cliquer sur la porte. Hit game. 3, 2. J'ai rien fait de quitter, mais voilà. Hit game. Voilà, vas-y, manche. Bah, merci d'avoir regardé ce live. Ce vidéo aussi, pardon. Ce vidéo, pardon, je voulais dire. Du coup, n'hésitez pas à me yaker, à partager. Voilà, du coup, voilà, ça va relancer la game parce que je suis sur mon serveur. Et du coup, j'espère que vous avez quand même pu cette map. C'est vraiment génial à vous montrer. Du coup, les personnes qui vont rejoindre mon serveur, parce que là, je vais remettre en public, du coup, toute la semaine, du coup, jusqu'à toute la semaine. Voilà, en gros, mon serveur, c'est Custom Map. Custom map zombie. La map il s'appelle Mario. Et vous pourrez rejoindre. Et du coup, là vous avez toutes les informations. Voilà. Custom map zombie. Passe pour retain pour dire mot de passe. Ensuite il y avait hardcore, j'ai désactivé. La map c'était Mario. Mode ajouté, c'était oui, c'était. Du coup voilà, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous. Et j'espère que cette vidéo ça vous avaira plu. Et les gars, si vous voyez, c'est le moment de vous dire dans les commentaires quoi vous voyez que je dois améliorer dans ma vidéo. En tout cas, voilà, je vais vous laisser. À plus. Et à demain pour ma vidéo. Et à samedi pour. Ou vendredi peut-être. Directement pour mes lives. On verra. Je le dirai au courant sur Discord. Allez, à plus.